Bien le bonjour oh, oh, j'ai la voix de rocky balboa encore aujourd'hui comme d'habitude n'est-ce pas comment ça va-t-il donc vous allez bien vous avez passé une bonne semaine nous sommes dimanche bon dimanche à tous et à toutes alors nous sommes donc le dimanche attends que j'enlève ça bon oui parce que pas besoin de voir tout nous sommes donc le dimanche 11 non <laughs> non il est 12h11 attends ah, oh, qu'est-ce que c'est pénible, ce truc. Bon, comment je fais alors? Je disais donc, nous sommes le dimanche 28 juillet. Mes amis, je n'ai pas vu. Moi, je n'ai. Il est 11h. Heures... Non, il est 12h11. Et je n'ai pas vu euh, le mois de juillet passé. Non. Je dis, nous sommes au mois de juillet. Vous rigolez? J'ai cru qu'on était au mois de mars. Non, je n'ai pas vu le mois de juillet passé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne l'ai pas vu passer. Je regarde hier mon téléphone, je fais. On est le 28 juillet, on est déjà à la fin du mois du mois de juillet? C'est pas possible. Ah bah si, c'est possible. Ah bah si, apparemment, c'est possible. Voilà, donc moi je l'ai pas vu passer le mois de juillet. Alors j'espère que le mois d'août, on aura. Bah, apparemment, a priori, il devrait euh, faire chaud, d'après ce que j'ai entendu à la météo. Hein. <laughs> c'est cela, oui. Euh, bon, écoutez, on va bien voir. Bon, sinon, comment ça va-t-il donc quelles sont les nouvelles Bon, à part le, la cérémonie des, j'allais dire des César, non, la, la cérémonie d'ouverture des JO, qui était quand même vachement axée au walk, c'est comme ça qu'on dit, je ne sais pas. Euh, oui, quand même vachement axée, euh, LGBT, machin et tout. Bon, à part ça, la cérémonie, je vous ai dit, j'ai vu des extraits moi que j'ai trouvé euh, les extraits c'était quand même vachement c'était quand même vachement beau hein. c'était c'était pas mal hein. franchement ah oui oui il y a des choses qui étaient magnifiques alors par contre l'ouverture alors je sais pas si c'est l'ouverture l'autre là qui fait la scène là euh, de Leonardo da Vinci euh, avec Philippe Catherine bon je vous dis il aurait fallu enlever ça c'est dommage parce que même dans, dans certains enfin, dans plein de pays hein, même aux États-Unis ça a été cette scène a été coupée euh, quoi d'autre Alors celle-là et l'autre avec les, les 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 trans là comment s'appelle Oh bah oui quand même. Il y avait deux scènes à, que, qui n'étaient pas nécessaires. En plus c'était vraiment c'était euh, comme je dis quand on n'a plus on n'a plus d'idées on n'a plus d'imagination ou on est dépourvu de talent, euh, on est obligé de choquer parce qu'on a que ça à faire. On monte ses fesses, on monte ceci, on monte cela. Bon voilà. Et alors quand j'ai vu l'autre avec sa bebar là, avec sa barbe de trois jours, enfin trois jours d'un de, 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 mois, j'ai envie de te dire, euh, une blond, enfin une un blond avec une bebar, ça comme <laughs> habillé en meuf, j'ai dit non là c'est pas possible quand même, faut pas exagérer, hein. Non parce que les journaux, enfin les, les les médias parlent de lui en disant elle. Je suis désolé mes amis, je n'ai jamais vu une femme. À part la femme à barbe, bien évidemment, qui était dans un cirque avant. Mais je n'ai jamais, jamais vu une femme avec une barbe de bûcheron, hein, comme je l'ai dit. Non, ce n'est pas beau, ça n'existe pas. Alors déjà, les femmes, elles font elles, sont, elles font la chasse au poil toutes les cinq minutes. Vous voyez une femme avec une beubare comme ça, vous <laughs> Ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas une femme, pour moi, c'est un homme. Voilà. Allez, hop. Non, mais ça m'énerve. Ne dites pas elle quand. Euh... Qu'est-ce que c'est que ça Elle Mais ben non, pas elle. Si elle avait vraiment voulu être une femme, elle aurait déjà retiré sa barbe, déjà pour commencer. C'est une honte intergalactique. Ceci étant dit, quoi d'autre que je voulais vous dire Oui, bon, bah dans l'ensemble, voilà, moi j'ai vu des extraits, je n'ai pas retrouvé la, la cérémonie en entier. Puis en plus, je vais vous dire, je n'avais pas spécialement envie hier soir de me taper toute la cérémonie des JO. Mais euh, non, mais je vais la regarder. Je, je, si je la trouve, je vais la regarder. Je sais pas si elle est sur... Euh, je sais pas si aller sur euh, sur YouTube, voilà. Donc euh, voilà, bah écoutez, on a été quand même euh, blacklisté de certains pays, hein. enfin euh, certains passages. C'était nul, c'était nul. Je vous l'ai dit, j'ai pas aimé ça, Je ai pas aimé, j'ai pas aimé ça. Et puis l'autre là, avec la bebar là, pff, ça m'a saoulé. Non mais ça m'a saoulé vraiment. C'était pas, c'était pas nécessaire en fait. Il y avait tellement de, 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 de il y avait tellement de belles scènes justement, euh, de beaux tableaux que c'était pas la peine de rajouter cette, cette ce truc en fait. On s'en fout, tu vois. C'est n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'était un peu axé comme quand même LGBT, d'après ce que j'ai vu. Hein. Après, je vous l'ai dit, je ne pas regarder la cérémonie en entier. D'ailleurs, je ne l'ai même pas vu. J'ai vu que des extraits. Sur YouTube, mis à part ça, euh, mis à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah, ça, je vous l'avais dit aussi. Je vous l'ai dit il y a un mois, je pense, à peu près un mois, une lettre avec euh, quelque chose de mauvais dedans. J'avais une lettre piégée. Et ça, je vous l'ai dit il y a un mois, je crois, un truc, il n'y a pas très longtemps. Et euh, vous avez vu que là, euh, comment il s'appelle C'était adressé à Darmanin, une lettre avec euh, avec un petit peu quand même de la peste. Ils ont trouvé une poudre noire dans, dans l'enveloppe qui était adressée à Gérald Darmanin. Et dedans, il y avait… Euh, parce que cette poudre noire, c'était en fait… Euh, c'était euh, la peste. Voilà, tout simplement. C'est sympa, hein non, franchement, c'est bien. Non, je... <laughs> Quel monde oh, On vit dans un monde magnifique. Hein Donc après, on va nous dire, oui, euh, la peste est revenue, machin, patin, coufin. Non, non, non. La peste, c'est comme dans le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, Les douze singes, l'armée des douze singes, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'il y a un jour un maître qui va passer. Soit par une lettre, il va envoyer une lettre, quelqu'un va l'ouvrir et va, et va propager la peste. Soit il va carrément venir avec tous ces tous trucs, tous ces. c'est pas, pas des microbes, tous ces virus dans des fioles. Il va passer la frontière et il va nous la balancer. C'est tout. C'est les êtres humains qui font le mal, hein, bien sûr. Voilà. Et donc, Vous vous rendez compte Imaginez que Gérald Darmanin ouvre cette lettre. Eh ben voilà. Enfin, c'est du beau. Euh, donc, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins. J'ai envie de vous dire, ne vous énervez plus, ça ne sert plus à rien, c'est plus la peine. Non, franchement, ça ne sert plus à rien. Vivez pour vous, profitez de la vie, parce que je ne sais pas ce qui nous attend demain, voyez-vous. Non, je ne sais pas. Donc, euh, moi, j'ai dit, allez, terminez, euh, ça va, ça me saoule. Euh, je les écoute plus, j'en ai plus rien à secouer, en fait. Parce qu'ils vont faire ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Donc à partir de là, j'ai envie de te dire. Euh, tu n'as plus rien à dire. Tu penses à toi, Anne. Oui, c'est cela. Alors. Alors, on parle beaucoup des réserves hein, à la coupe. Les réserves alimentaires, bien sûr. Ah, ça aussi. Moi, je ne sais pas pourquoi. J'avais. J'avais. Non, je ne vous l'ai pas dit parce que j'ai enlevé la vidéo. Je euh, voulais vous dire de. De faire un peu de réserve alimentaire. Oui, un peu de réserve alimentaire. Ben, je ne sais pas qu ce qui va se passer, parce que vu comment c'est parti, hein, ben, on ne sait pas. Ah, parce que vous voyez tout ce qui se passe. Alors, si, si ça se calme là, tant mieux. Mais très franchement, il y a quand même, euh, il y a quand même pas mal de. de euh, des tentatives d'attentats qui, heureusement, sont euh, euh, arrêtées euh, à temps. Il y a quand même pas mal de trucs comme ça. Et, euh, et moi, je vous avais fait une vidéo, oui, c'est vrai, je l'ai effacée, de faire des réserves, mais j'ai vu que, au, comment ça s'appelle Le truc où ils vont tous les. tous les euh, euh, oh, Comment ça s'appelle Ils n'avaient ils, ils avaient pas assez à manger, là. Vous avez vu oh, Bon, bref. Allez, on s'en fout. Euh, oh là, c'est quoi ça On parle encore des réserves, c'est bizarre. Moi, je pense qu'il y a encore des, des, des paquets empoisonnés. Hein. Ils sont en train de préparer des paquets empoisonnés. C'est bizarre hein, ce que je vous dis. Ben, ça sort, hein, désolé. Des paquets empoisonnés, des paquets alimentaires, de la farine, de la farine empoisonnée. Je dis de la farine. Euh... <laughs> Qu'est-ce que c'est que ça Ou alors ils ont mis de côté des, des, des aliments, quelque chose qui... qui est dégueulasse, en fait, hein, tout simplement. Hein. Qui est dégueulasse, qu'est-ce que c'est que ça? Ça pourrait être une maladie. Hein. Alors, il faut faire attention. Hein. Ouais, dans les courses alimentaires, on va apprendre encore des choses par rapport à ça. Fais voir, attends, que je mets ça comme ça, deux secondes. Ouais. Donc il y a vraiment des réserves des, des, de l'alimentaire, quelque chose qui est sali, euh, qui n'est qui, qui pas bon, tout simplement. On va apprendre ça. Je pense qu'on va l'apprendre incessamment sous peu. Enfin, j'espère. Ça, ça, ça tombe pile poil avec ce qui s'est passé pour Darmanin, quand même. Hein. <coughs> Fais voir. Il oh, faut faire attention, quand même. Hein. Donc. Euh... Ah oui, c'était ça. C'était le truc olympique, là. Vous savez, où ils vont tous, là. Les, euh, les sportifs. Et il n'y y avait pas assez à manger. Mais du coup, je me demande si ça ne va pas être dans le. Ça, il faut faire attention. Je sais pas. On parle de réserve alimentaire, de l'alimentation. En fait, il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui est mauvais. Imaginez qu'ils essayent d'empoisonner les, les joueurs et tout, les sportifs. Oh là Et donc, il faudrait faire attention hein, quand même. Hein oh oui Oh là, là 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 Ah bah oui, il hein. faut faire attention à tout. Bon alors... Bon, il y en a un qui prépare quelque chose encore par rapport à Macron, je vous le dis tout de suite. Hein. Oh, il est mauvais. Il est mauvais ou alors… Alors, est-ce qu'il prépare quelque chose de mauvais Fais voir. Euh, quelqu'un qui, qui est louche, qui est en planque, là aussi, il est quelqu'un qui est caché, qui est en planque, qui mijote quelque chose. Fais voir, attends, je vais prendre ça. Qui mijote quelque chose ah, la convoitise encore, la jalousie. Ben bah oui. Ça mijote quelque chose. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui est. Euh, oh là, il est mauvais. Je ne peux, peux pas vous dire plus. Il est très mauvais. Et il mijote quelque chose par rapport à, à Macron. Je pense que c'est Macron. Je pense que c'est Macron. Et ce type-là est, est vraiment planqué. Il est isolé quelque part, mais où Il prépare quelque chose. Hein. Oh il ben y en a une qui est contente mes amis une blonde la joie ah c'est peut-être comment elle s'appelle c'est peut-être Marine Le Pen je sais pas il y a de l'argent alors peut-être que peut-être que c'est un contrat enfin elle était appelée devant la justice par rapport à des financements je sais pas quoi des financements russes un truc comme ça je pense qu'elle va gagner là hein. je pense qu'il y a rien euh, ils ont rien contre elle hein. en tous les cas si c'est pas ça il y en a une qui va avoir un paquet de pognon, je ne vous raconte pas. Ah, elle est contente, la fille, hein, je vous le dis. Elle est très contente. Très, très, très contente. Elle est très heureuse, cette dame. Il y a, il y a, il y a combien de cartes, là Fais-vous, fais-vous. Voir, fais voir. Viens ici. Toi. Viens ici, toi. Petite cartonnette. Alors. Ah, peut-être qu'ils vont découvrir qui a envoyé la lettre à Darmanin et qu'ils vont le mettre direct en tôle. Il va faire, une petite, euh, va faire un petit voyage en prison. Ah, d'accord. C'est peut-être quelqu'un de la prison. Il y a aussi une personne, soit qui est en prison, soit qui va y aller, je ne sais pas, qui envoie une lettre euh, au gouvernement. Au gouvernement. Et pourquoi il envoie une lettre Pourquoi faire hein Pourquoi faire un jeune homme. Ou alors il va y aller. Hein. Ah ben bah oui, prison. Ah ben bah c'est ça, c'est un jeune homme qui est en prison. D'accord. Ou en hôpital psychiatrique. Voilà. Ah oui. Alors... Ou alors il va y aller. <laughs> il va se retrouver en hôpital psychiatrique, le mec. Hein. Voilà. Donc c'est possible qu'ils arrêtent la personne qui a envoyé euh, ce truc-là. Donc c'est un jeune homme qui va atterrir en hôpital. Vous voyez là Non, vous ne voyez pas. Qui va atterrir en hôpital psy. Ou en prison, c'est l'un ou l'autre, voilà. Encore, c'est quoi ça Qu'est-ce que c'est que ça Oh, ça va faire l'effet d'une bombe, ça. Mais c'est quoi Ben encore une lettre. On me parle beaucoup de lettres, c'est bizarre, ça, non Vous Trouvez pas que c'est bizarre Moi, je dis que c'est bizarre. On me parle un peu trop de lettres, hein alors c'est peut-être pas la dernière hein. alors Darmanin a eu euh, une lettre avec la peste à l'intérieur mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver plus la bouffe que je vois qui est empoisonnée ou qui est pas bonne ou je sais pas quoi, il y a un truc comme ça hein. je pense qu'il va avoir peut-être qu'il va y avoir, avoir d'autres lettres ou un colis piégé ouais il va y en avoir d'autres je, je, je suppose, je subodore que c'est ça Ouais, il va y avoir d'autres lettres, d'autres euh, trucs comme ça, colis piégés. Euh, euh, voilà, je crois qu'on va en découvrir d'autres en fait. Hein. Je vais voir, ce sera adressé à une femme cette fois-ci, j'ai l'impression. Encore une lettre qui va être adressée à une femme avec quelque chose dedans, euh, pas bon du tout. Hein. Ou alors un colis piégé, elle l'ouvre et pff, ça explose. C'est bien, c'est sympa. Ah, oh, ils sont sympas, hein. ils sont sympas nos élites. Hein. Bah, bah, vie! Alors, une brune. Euh, bon, on entend parler d'elle dans les. Une brune, on entend parler d'elle aux infos, je ne sais pas quoi. Je peux voir quand même, parce que c'est quand même assez rapide. Il est quelle heure là 11h, euh, tu fais voir Quelle heure est-il Ah non, il est 12h25. OK. Il est 12h25. Bon, on s'en fout. <laughs> Il y a une réunion avec des, je pense que c'est avec des rabbins, des, des, des gens, enfin des rabbins. Euh, ça peut être un imam euh, ou un prêtre, l'un des trois. Avec des gens. Euh, il y a une réunion euh, au sommet, on va dire ça comme ça. Avec un religieux. Avec un religieux. Pénurie, pénurie, mes enfants. Pénurie, pénurie de quoi? Pourquoi ça tombe sur le palais, la pénurie, avec le grand monarque? Le grand monarque est là. Il nous parle de pénurie et de, de déplacement, voire de déménagement. Je ne pense pas que ce soit l'Elysée, quoique je ne sais pas. Mais il euh, y a quelque chose qui, qui manque. Il y a, y a, oui, il y a, y a des pénuries dans l'air. Ça peut être des pénuries alimentaires aussi, hein. Oh, je suis beaucoup sur l'alimentaire, là, aujourd'hui, je trouve. Oui, je trouve. Mais euh, oui, pourquoi ils se déplaceraient, ces gens-là Non, je parle de ces gens-là, parce que c'est quand même des gens qui sont au gouvernement, tu vois. Donc, euh, euh, nous, qu'on se déplace parce qu'on a faim, comme euh, toutes les populations. Hein. C'est quoi, ça Ah, tiens. Bon, on dirait qu'il y a une petite euh, manif euh, surprise, une petite manif surprise hein, qui va se faire... Oula. Il y a double face au palais. Il y a double face au palais qui emmène de la drogue. Vous voyez, mes amis, je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme ça. C'est lui qui fournit l'Elysée. <laughs> double face. Ouais. Et je pense que ça va savoir parce qu'ils sont sur écoute en plus. Enfin, il y a un truc bizarre avec la drogue. Et... Avec la drogue et les, la drogue et les ondes. Euh, et ces doubles faces, ils sont ils sont écoutés on va dire, ils sont très écoutés. Peut-être que c'est un un groupe d'amis qui va se faire choper, qui ont un rapport avec Élysée, enfin qui qui connaissent le pouvoir. On va dire ça comme ça. C'est un groupe d'amis. Oui, c'est secret. Ben voyons. Ah, c'est secret. Mmh, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Parce que c'est quand même beaucoup. Alors là, je, je vois que. On nous parle d'intelligence artificielle aussi. Qu'est-ce que ça veut dire Intelligence artificielle ou technologie. On parle de technologie. Et là, j'ai les ondes qui ressortent. Du coup. Vous pouvez voir. On est en train de me dire quelque chose que je ne comprends pas tout de suite. Bras désolé. Pour moi, c'est très tôt le matin, la fille. C'est très très tôt le matin. Ah, on nous annonce des changements. D'accord. Des changements. Mais qui va changer C'est un homme ou c'est une femme Oups Politique. Des changements politiques, c'est la carte qui est tombée. Des changements dans la politique. Ah, il va y avoir. D'accord, d'accord. Il y aura peut-être un nouveau. Euh, une première ministre, je ne sais quoi. Il y a des changements politiques qui arrivent. Hein. Soit c'est un nouveau gouvernement. Euh, mais quel rapport avec la technologie? Est-ce que ce serait quelqu'un qui vient de ce milieu? Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui a rapport avec l'informatique, la technologie, l'intelligence artificielle, un truc comme ça? C'est possible que ce soit un homme qui soit dans ce. Oui, dans, dans ce truc-là, quoi, tout simplement. Un homme ou une femme. Hein qu'il soit là-dedans la technologie l'intelligence artificielle ou alors on va nous en parler mais il y a des changements qui vont s'effectuer assez euh, assez rapidement j'en sais rien mais en tout cas ça va se faire hein. je sais pas on verra bien bon encore euh, alors ça va peut-être pas se passer chez nous en France mais quand même il y a quand même je pense qu'il y a un immeuble qui va s'écrouler là assez rapidement alors où ça en Allemagne en Europe je vais dire ça comme ça euh, attends, j'essaie de me projeter avec un avec euh, ou alors peut-être que c'est un bâtiment qui va être attaqué par des par euh, un bâtiment, euh, je sais pas n'importe quoi, le Sénat, Vous voyez, où il y a des hommes politiques qui font les lois. On va dire ça comme ça. Les hommes politiques font les lois et ce bâtiment risque d'être attaqué. Ou alors, fais voir. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Fais voir. Oui, bon écoute, le gouvernement européen, le Parlement européen, voilà. Le Parlement européen, alors est-ce est que c'est une attaque, une vraie attaque physique ou est-ce que c'est euh, euh, psychologique pas enfin, psychologique. Euh, tac, tac, tac. On verrait bien, on verrait bien. C'est quoi ça il y a un petit vent frais, hein. je l'attends la canicule, moi. Je vous le dis, je l'attends, la canicule. Hein. Je l'attends, je l'attends. Hein. Oh, cette photo, elle fait le tour, hein, la photo de d'Amélie Machin, là. Costera, je ne sais pas son nom. Elle fait le tour des réseaux, celle-là. Vous avez vu comment elle l'embrasse On dirait que c'est son bébé. Elle le prend par la nuque. Euh, je veux dire, c'est. Je sais pas, moi ça m'a choqué. Hein. Ah oui, moi ça m'a choqué. Tu ne prends pas le président de la République, tu le prends pas comme ça, s'il te plaît, par la nuque, genre euh, mon chéri, mon amour, je t'aime. Qu'est-ce que c'est que ça mais, mais elles sont folles. Hein. Moi je vous le dis franchement, elles ont toutes un pet au cerveau. Hein. Elles ont toutes un pet au cerveau. Attends, je bois un coup. Sans déconner. Cette façon, ou alors un enfant, vous savez C'est comme les enfants aussi. Quand on lit... Bah, j'ai rarement pris mon enfant comme ça par la nuque. Euh, non, même pas, tu vois, je ne sais pas. C'est quoi ces femmes Qu'est-ce que c'est que ces femmes Alors, il va se passer quoi pour ce journaliste Ah bon Non. Je sais pas. On verra bien. Je m'en fous. Euh, ah oui, d'accord. Ah oui, non, ça y est, je viens de comprendre. <laughs> ben, oui. Je pense que c'est un journaliste euh, ou une chaîne de télé. Hein, de, parce que C8 a été, euh, comment dire, euh, a été. Euh, ils ont pu l'agrément, la, la TNT, je sais pas quoi. Donc c'est possible que ce soit par rapport à ça. Ah, oh, ça pourrait être Anuna aussi, oui, bon, on s'en fout. Mais c'est une autre. C'est encore une autre chaîne. Hein. Vous voyez là C'est encore une autre chaîne. Je ne sais pas, il y a un truc comme ça. En tout cas, bon, liberté d'expression, mon cul. Hein ah bah si, voilà, c'est un peu ça qu'on me dit. Hein. Liberté d'expression, mes fesses. Alors. Oui, bah oui, on le sait. Hein. La cible, qui est la cible ah, bah oui, alors ça c'est très simple, la cible c'est la foi, ça veut dire qu'on est en train de nous emmener dans un truc, dans un truc, bah oui, on est en train de nous emmener vers la, euh, le côté obscur de la force, voyez-vous Oui. Ils sont en train de nous emmener du côté obscur de la force, voilà. Je ne sais pas pourquoi, hein. c est, c est, c est des, ce sont de grands malades. C'est quoi ces cris là Ça se dispute Ah bon Oh là Oulala là là La dernière fois, il y a un mec qui a viré sa meuf. <laughs> Vu le nombre de bagages qu'elle avait, je peux vous dire ça faisait un moment qu'elle était chez lui. Hein. <laughs> Elle a rempli toute la cour. Là, là, là. Ouais, puis là, je les ai revus avant-hier, ils étaient ensemble. Ah, je vous jure. Les histoires d'amour. Alors, ah, d'accord. Alors, euh, alors, il risque d'y avoir aussi des perturbations dans le ciel là, avec des. Alors, ça, c'est des orages, des trucs. Euh, bon, je vois pas, je vois pas, je vois pas un avion s'écraser, hein, Mais quand même, ça va bouger un peu, quand même. Hein. Il y en a qui vont avoir, un. ils vont se faire une petite frayeur. J'ai l'impression. Hein. Par rapport à des, par rapport à des orages, des trucs, des machins, des, des éclairs, des éclairs qui qui rentrent dans qui font basculer l'avion, ça peut foutre la trouille quand même. Oh là, c'est qui ça Alors là, il y a le diable. Hein. Ben, c'est lui. <laughs> je cherche pas. C'est lui. Euh, il y a un... Peux voir Ouais. C'est le diable. Qu -ce Qu'est-ce que, Qu que tu veux que je te dise Qu'est-ce que tu veux que je te dise Que je que je te dise El diablito est au château. Oui, je le redis, et je le redis, je... oui, il faut faire attention dans les transports. Les transports. Il y a encore un coup de, un coup de paix hein, qui risque de se faire par rapport aux transports. Alors, est-ce que c'est le train Est-ce que c'est le train pas un train euh, voir. est ce que c'est le train ça est ce que c'est un train ou est ce que c'est une attaque sur non je pense pas sur une voiture fait voir ouais, bah, des conflits qui vont arriver les conflits euh, ça va pas s'arrêter ça je vous dis on est parti alors là on est parti euh, j'ai l'impression qu'on est parti pour des années hein. Des conflits, des attaques, des trucs, des machins. Mais là, par contre, j'ai l'impression quand même que… Mmh. C'est quand même une attaque dans… Il ouais, y a quelque chose. Hein. Avec un train ou… Tu quelque... fais voir. Est-ce que c'est un train Attends, je me concentre. C'est bizarre, ça. C'est qui Bon, c'est quelqu'un qui est en route. Hein. Attention au coup de couteau. Hein. Quelqu'un qui est en route. Je ne sais pas si c'est en voiture ou dans les métros, dans les trains, tout ça. Soyez prudents. Bon, les conflits, on a compris. Hein. On le sait, on le sait, on le sait. Alors. La campagne électorale de comment elle s'appelle De Kamala Harris. OK. Bon, ça a l'air de bien, ça, ça prend de l'expansion, comme on dit. Pour l'instant, moi je ne la vois pas du tout, je vous le dis tout cru, je ne la vois pas du tout euh, battre Trump, non, je ne la vois pas présidente des États-Unis non plus, donc on verra bien. On verra bien. On... C'est quoi ça Oh ben non, vous êtes vache à les cartes, qu'est-ce que vous me dites là Qu'est-ce que vous me racontez comme histoire Qu'est-ce que c'est que ça oui, il va y avoir un oui, il va y avoir du vent, un vent très puissant. Mais pourquoi ah. Je sais pas. Euh, pourquoi le clou, je comprends pas. Je ne sais pas, je vais laisser ça là. Quel rapport Je sais pas. I don't know. Ah. C'est qui ça ah, ce serait pas comment il s'appelle euh... ah, Peut-être qu'on va entendre, on va entendre. De... Enfin, oui, ça va reparler de Julian Assange. J'ai l'impression. On va reparler de Julian Assange. Il va être invité par euh, Ma Macron. C'est possible ça Non. C'est Julian Assange. Bon, c'est un, c'est un, c'est un savant entre guillemets, une tronche. On va dire ça comme ça. Euh... Avec les cheveux clairs, les cheveux blancs ou les cheveux blonds. Mais c'est quelqu'un, a priori, qui a été enfermé. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Pour moi, ce serait plus Julian Assange. J'ai l'impression. Tu vois. Un truc comme ça. On verra. Je pense pas que. Oh, le feu, le feu, le feu, mes amis. Le feu au palais, au palais. Le feu. Le feu. Alors, est-ce que, est-ce que c'est, alors le feu, voilà, le feu au palais. Mais le feu aussi sur un bateau quand même. Hein. Sur un bateau. Fais voir. Attends. Comment, comment je fais l'histoire Le feu. Bon, le feu. Alors, soit c'est le, 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 le palais présidentiel, soit c'est l'Elysée, je veux dire. Il y a le feu. Moi, hein. ouais, je pense que ça, je vais l'enlever. Il y a le feu. Il y a le feu, les amis. Il y a le feu. Alors on verra bien. On verra bien. Il y a le feu au palais. Youf, you, you, you. c'était Christophe Brune. Oh, bah, c'était Brune qui préparait la guerre? Je pense pas. Non. Bon, on s'en fout. Oui, parce que de toute façon, je vais vous dire un truc. Tout le monde prépare la guerre maintenant. Donc, tout le monde se prépare à la guerre, sauf nous. <laughs> C'est pour ça qu'il faut acheter des, des, des aliments, des trucs, des boîtes. On sait. Mais vous, vu comment. Comment va le monde Je me dis qu'on qu'il faut, faut être prêt, hein, comme les survivalistes. Il hein. faut être prêt, mes amis, il faut être prêt. Parce que tout va très vite. Hein. Puis un de, ces, un de ces jours, ça va aller vraiment très vite. On va dire, oh, mais qu'est-ce qui se passe Tu vois, on n'aura peut-être même pas le temps, en fait, hein, de dire quoi que ce soit. <coughs> on n'aura pas le temps. Il y a aussi, c'est quoi C'est un circuit, ça euh, D'accord. Est-ce qu'il y aurait euh, est-ce qu'il y a des compétitions de voitures Ça existe, ça Non. Pendant les Jeux Olympiques, je connais rien du tout. Hein, je vous l'ai tout cru. Je ne connais pas du tout ce qui… Je ne sais pas. Je... Ça existe des compétitions de voitures, non De voitures, Ouais, je ne sais pas. En tout cas, il y a tromperie sur la marchandise. C'est quoi ça Ou alors… C'est bizarre ça. Non, alors c'est la voiture. Alors C'est une voiture. Alors... Bon, écoutez, on verra bien. Je ne sais pas. Je n'y connais rien. Je n'y connais rien du tout. Euh, la séparation… Ah. Ah ben d'accord, ben, la séparation, je suis désolée de vous le dire mes amis, mais là il y a une séparation entre madame et monsieur. Ah ben si, 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 ah si, la séparation avec, euh, moi je pense que c'est Brigitte Macron qui se sépare de, ah ben qui se sépare, bon bien évidemment on ne le saura pas comme d'habitude, mais la séparation est actée, elle est bien là la séparation. C'est la faute à Amélie, <laughs> Custa machin, la custodia, je sais pas quoi là. Ah oh là là, non, non, il y a une séparation, vraiment je vous dis, il y a quelque chose. Moi, on le voit de toute façon, on le voit, ça se voit dans la façon. Euh, euh, le, le, le corps a un langage. Quand tu connais le langage, enfin, même quand tu connais pas, je veux dire, ne serait-ce que quand tu, quand quand es une meuf, tu essaies d'analyser, de regarder. <laughs> je peux vous dire qu'à séparation, ça c'est sûr. <laughs> Mais alors pour une fois, parce que autant euh, avant c'était Macron, Emmanuel qui courait après Brigitte. Que pour une fois, c'est l'inverse. Oui, messieurs dames, c'est elle qui court après son mec. Eh oui, parce qu'elle est en train de le perdre. Elle le sent. Eh ben oui, c'est comme ça. Donc il y a séparation entre elle et lui. On verra bien. Mais hein. moi, je vous le dis, j'ai remarqué sur. C'est sur des détails, mais c'est ça se voit, ça se voit qu'il y a un truc qui va pas. Elle est toujours là en train de. Parce que. Bon, tu as ton mari, il est président, d'accord, et tout, mais il y a des petits détails, ça, 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 ne le fait pas. Ça ne le fait pas du tout. On voit bien qu'elle est derrière lui, elle a peur de quelque chose. Elle a peur qu'il a, a peur qu'il la jette comme une vieille chaussette. Voilà. Ah ben bah oui, c'est comme ça. Bah, en même temps, arrivé à un certain âge, au bout d'un moment, tu ne peux pas, euh, je veux dire, c'est un homme. En plus, il a des... Euh, des attirances euh, pas spécialement féminines mais masculines etc. Donc au, même alors, admettons qu'il n'aime que les femmes, on va dire ça comme ça. Admettons qu'il soit hétéro. Je veux dire, à un moment donné ta femme elle a 70 ans quand même. Tu vois ce que je veux dire Je veux il faut être euh, faut être honnête avec soi-même quand même, hein. Bah ben, si il faut être honnête au bout d'un moment c'est c'est pas pareil hein, c'est ah ben oui. Moi je me vois pas avec un vieux de 70 ans. <laughs> je non oh, mais c'est vrai, tu, tu sais pas, il y a des après voilà quoi. Ben je pense que Emmanuel c'est pareil. Voilà au bout d'un moment, oh il... hein là, ah bah oui, c'est injuste, hein. ah c'est terrible hein, la vie, hein. ah oui, ah ça c'est terrible, c'est quoi ça Ouais ouais non c'est c'est vraiment terrible, mais c'est comme ça, c'est faut pas se voiler la face, hein. faut être honnête avec soi-même. Je veux dire euh, ça peut durer effectivement jusqu'à maintenant. Mais quand même, Macron, vous avez vu comment il a vieilli déjà Il a bien vieilli. C'est un, c'est un bel homme. Il est plus, il est plus joli maintenant qu'il l'était euh, quand il est arrivé au pouvoir. Hein, une tête de poupon là, machin. Déjà, je ne sais même pas comment elle a fait, pardon. Hein, mais je ne sais même pas comment elle a fait pour euh, aller. je veux dire, il avait une tête de poupon quand on l'a connu nous, une tête de bébé avec ses petites joues et tout. Franchement, enfin, je ne sais pas. Alors imaginez quand il avait 14 ans enfin c'est un truc de fou 14 15 ans comment tu peux aller qu'un un bébé on a... on a dit un bébé ben voilà Ah ben ça ça oui ça porte un nom je le sais oui ça porte un nom donc voilà moi ça me plaît pas du tout ça vous vous imaginez avec une tête de avec un bébé là non ça va pas non Donc là c'est un joli garçon c'est un oui c'est un bel homme maintenant à quel âge il a 40 je sais pas 45 ans je sais plus Moi ouais, il a pris euh... moi je trouve hein et voilà. Et ben voilà, ben les filles, elles lui courent après. Hein. Ben, Vive, vive, vive. Hein. Et ben voilà. Et là, je pense qu'il va y avoir un vrai tournant parce que c'est vrai qu'à 70 ans, je pense qu'elle a 70 ans, à 70 ans, là, tu commences à comprendre que là, tu, euh, on t'aime. Enfin, je pense qu'il l'aime et tout, tu vois. Mais arrivé à un certain âge, il, je ne sais pas, à un moment donné, euh, je ne sais pas, tu vois, ça ne le fait plus, quoi. Il y a quand même plein de jeunes femmes à côté de lui, en admettant qu'ils soient hétéros, euh, qui qui sont un peu plus fraîches. Oui, je sais, c'est dégueulasse ce que je dis, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Euh, et, et là, elle se rend compte quand même qu'elle a plus 20 ans. Tu vois, elle s'en rend compte. Et là, elle va commencer à flipper un petit peu sa race. <laughs> oh, la pauvre. Oh non, c'est pas, ouais, pas bien. <laughs> c'est pas bien, mais c'est la vérité. Je suis désolée. Ben bah, ouais. Donc, euh, moi, je pense que c'est ça qui se passe. Il y, y a trop un écart d'âge. Et à un moment donné, c'est obligado, porte-maillot que ça ne matche plus, ça ne le fait plus. Tu vois Je ne sais pas hein, ce que vous en pensez. Bah, Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ou alors, on va faire une émission spéciale. Parce qu'au bout d'un moment, euh, je veux dire, quand tu as 70 ans, euh, que, que, que tu es avec un bel homme de 45 ans, euh, bon, je ne pense pas que le désir soit toujours là. Tu vois Voilà. Bon bah sur ce je vous fais des gros bisous je vais pas m'étaler plus que ça <laughs> je vous fais des gros bisous je vous like alors n'oubliez pas de liker et de partager parce que je suis shadowban oui mes amis gros bisous les filles à bientôt ciao Bye. Bye.